Hey, salut tout le monde, ici c'est Segalix de nouveau sur Resident Evil 2. Alors on reprend de nouveau là où nous nous étions arrêtés sur l'épisode précédent. Donc on avait trouvé l'énigme avec les pièces de jeu, l'échec. Bon, pour l'instant on a rencontré une seule qu'on avait dû laisser hein, pour pouvoir passer une passerelle. Donc on verra, ça sera une énigme à résoudre plus tard. Le jeu, bien sûr. Allez, on est parti. Là, cette grande pièce qui me paraît pas bien bon. Ça ressemble à une. Comment ça? À une arène de boss. Hein. Mais on verra. On verra ce qu'il en sera. Allez. Ah, déjà, nous sommes où? Ok, donc là, c'est rouge pour l'instant. On doit avoir quelque chose. Ah oui, il y a un truc là-bas. Bon, là, il y a une plante. Ah, c'est bon, elle apparaît. Oh, punaise, l'outil, le voilà. Yes, bien. J'ai entendu quelque chose. Bracelet d'identification requis. Donc là, on descend à l'étage inférieur. Est-ce que j'avais été de l'autre côté? Je sais plus. Non, je ne suis pas allé voir là-bas. Ah là là! Oh putain, c'est quoi? QQ mec. Allez, on parle plus de toi. J'hallucine ou ça paraît être le code 2 12 8 2 gauche 12 droite 8 gauche 2 12 8. Allez, on va tenter ça. 1 2 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 et 2. C'est pas fait dans le bon sens. 2, 12, 8. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh putain, c'est bon ça, c'est bon ça. Du coup, Cross W870. Ça se combine avec quoi? Alors déjà, on va l'examiner. Ok. Il n'y a rien de spécial. Élément pour W810 stabilise l'arme et permet de tirer et de recharger en un seul geste. Ok. Mais putain, mais ça va prendre quoi, 3 emplacements? Ah non, 2 toujours. Parfait! Putain, c'est cool le fait de pouvoir améliorer nos armes comme ça. C'est bon ça! Ok, parfait! La plante, la... T'es où toi? Eh, faut pas le con, mec. Bah non, putain. Non, ma grenade. Non, ma grenade. Chier de bouffer une grenade pour une connerie pareille. La plante. Oh, attends, ce que je vais faire. Il me reste combien d'emplacements? Merde. Je vais ramasser les plantes et je vais aller les mettre dans le coffre. On les aura plutôt que de revenir et de les laisser et puis de revenir vu qu'il y a un coffre juste à côté. Pas se prendre la tête. Allez. Le temps de le dire. Bing bing, boum boum. Voilà. Et j'arrive. Bon. On est pas mal, putain c'est cool, on a fait évoluer
deux de nos trois armes pour l'instant. Bon, je pense qu'elles sont pas loin d'être au taquet là. Allez, on va poser tout ça. Tac. Alors, on dépose. Ah, ou alors, non, attends, je vais en profiter pour prendre. Je vais en profiter à la limite, je suis con. Pour faire un soin. Voilà, il nous reste encore 4 emplacements. Ouais, c'est bon, allez. Let's go. Bon, par contre, il nous reste un emplacement pour nos armes. Sur le jeu, là on a 3 armes, donc ça veut dire qu'il nous reste encore une arme à trouver. Cool. Alors, ça c'est fait. Là, oui. Requis, funiculaire, ok. Putain, merde, j'ai pas sauvegardé, j'aurais bien dû, quel con. Reçu de livraison. L'article ci-dessous a été livré sur le lieu indiqué sur votre facture. Coffre résistant à la chaleur x1. La combinaison est écrite sur le côté du coffre. Ah putain, ce que je viens de faire à la craie. N'oubliez pas de l'effacer avant d'utiliser le coffre. Vas-y, mec. Bah mince alors. Ok, bon bah là je suis bien bridé. Bracelet d'identification Ouais, requis on est pour le d'accord. funiculaire. Là, on n'a rien à faire. Il y a cette porte? Je suis con, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Ok, donc là, on va à l'étage inférieur. Là, c'est la porte. Allez, c'est parti. Oh putain! J'allais dire. C'est pas bon quand on entend la musique. Allez. C'est lequel? Oui. Putain! Casse les couilles, hein! Arrête de bouger ta sale gueule! Allez, prends le couteau. Putain, c'est terrible, quoi. Pour deux monstres de merde, munitions qu'on use. Là, ok, on est à le même étage que le truc avec le volant là. Ça s'appelle comment d'ailleurs? L'outil. J'aime pas. Voilà, ok, t'es content? Il y a un truc là-bas. Il y a un truc là-bas. Donc il faut que j'aille par là, visiblement. Parce que là, on est bridé. Putain, j'ai cru que c'était une grenade. Ok. C'est quoi? Ouais, bah parfait, une grenade. Ça me va. Bon bah là, faut activer le bordel. Là on est d'accord. Ok bah du coup ça va nous libérer. Bien pour aller utiliser notre outil. Ah putain, encore l'autre pignouf là?
Non, il est pas mort. T'as le magnum, il te fait mal, hein. Oh putain, je l'ai pas vu, sa mère. Fait chier avec son œil là. Voilà. Aïe. Ok. C'est bon, t'as fini de faire ton intéressant là? Putain, c'était son frangin. Et là, il se réveille. Ok, allez. Eh bien, on utilise ça. Utiliser. Et là, on libère un putain de monstre. Ok, la clé. On la récupère, on est d'accord. Alors, des munitions, fusil à pompe, ça me va. Dis-moi pourquoi il n'y a rien que pour ça. Ah oui, il y a un passage, ok. La pièce est bleue, on est bon. Allez go. Ah, on remonte ce coup-là. Ok. Bon, ah, un petit tour. Un vieux tour. Ok. Mec, tu me fais pas chier, hein. Putain, je suis gentil, je m'occupe de... Putain, Smolos. Attends, on va prendre les choses au sérieux, là. Voilà. Sérieux? Putain, j'ai cru qu'il allait m'attraper. C'est bon? Ok. Et les gars, vous êtes fatigants, hein. Putain, encore une pellicule. Ok. Ok. Donc là, on est dans un atelier. Elle en a quoi? Oh, magnifique. Perfect. Là, on est bon, là, on est bon. Est-ce que je peux te m'occuper de toi, là? On va déjà prendre la bonne arme. Baby. Pourquoi tu dis merde, toi? Ok. Bien. Alors là, nous étions... Oui, on est passé par là. Ok, donc là c'était une des portes qui était verrouillée. Porte verrouillée, donc je crois que c'était le même principe. Ou une des deux, on va aller voir. Donc à mon avis, il faudra sûrement qu'on prenne le composant là. Je pense. Putain, mais sérieux. Non, le verrouillé. Bon, attends. On va s'occuper de ton cas. Voilà. D'un. Et de deux. Je vais réfléchir tranquillos, donc ne me cassez pas les pieds. Bien. Alors. Il faut. Donc là, on est d'accord que celle-ci, elle est verrouillée. Ok. Oh, il y a un bout de chair sur le. sur le. La rambarde là. Ok.
Là, on était passé par ici. Et celle-ci est toujours verrouillée. On est d'accord. Donc, là, je vais prendre la pièce. Je vais essayer un truc. Je vais essayer un truc. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai le temps de monter direct en courant? Je pense pas. À mon avis, c'est pas le but du jeu. Je vais juste m'en assurer. Non, on peut pas. Ok. Celui-là. Alors, on va passer bah, par là. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Prise. Ouais. Trou pour barrenter. C'est celle que je viens d'utiliser, hein. Ou pas, je sais plus du coup. Totalement vaste. Bon, je vais regarder. Je vais regarder si on doit passer par là. Putain, c'est quoi ce délire? T'étais pas là toi tout à l'heure? Merde, arrête de tirer comme un con toi. Sérieux? Est-ce que c'est à cet étage-là qu'on avait un... Le truc avec la... Prise en pays là. Voilà. T'as fait chuter? On va se faire deux paires de coups. Y'en a un autre là-bas? Qui c'est? Qui c'est qui gueule? Voilà, s'il te plaît. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Et oui, c'était bien ça. C'était bien ça. Donc là, qu'est-ce qu'on déverrouille? Aucun déverrouille cet endroit-là. Putain, t'es pas encore mort, toi. Allez, casse-toi. Putain, il faut quand même balle. Et alors, on est où? On est où? On est là. Ok. Ah, donc là-bas, on a une plante. À côté d'un zombie. Oh, ça, c'est la clé qui va nous déverrouiller toutes les portes verrouillées. Quasi sûr. Bien. Nickel. Les panneaux là, on a rien. Non, il y a rien de visible, rien de choquant. Donc là, on est bon. Bon, Anna, j'espère qu'elle est pas trop pressée parce que là pour le coup Oh putain, il y a encore un truc là. Eh oui, encore un truc. Et bah, j'ai bien fait de venir jusque là. Qu'est-ce qu'on va encore découvrir ici? La clé, c'est bon, le reste par là.
Bon, lui, il va me faire chier, ce qu'il va se réveiller, Spinouf. On est passé par là tout à l'heure, ok, oui. La porte était verrouillée dans ce sens-là. Donc pour l'instant, c'est pas le but, je pense. Non. Pour l'instant, c'est pas le but. Alors, ah, ça y est, nous y voilà dans ce canal. C'est pas bien bon, à mon avis. C'est pas bien bon. Ah, c'est bon, là j'ai trois plantes. Putain. C'était quoi ça? Ah oui, il est où? Ah, c'est clair, c'était quoi? Ah, bon sang. C'est de pire en pire. Putain, ça déconne. Ouais, de toute façon, pas le choix, hein, faut y aller. Hein. Au niveau des armes, on en est où là? On en est où? 6, 18. Putain, ça commence à être light la merde. Plus de balles de magnum. Dommage parce que celles-ci, elles font vraiment de l'effet. Ah putain, et voilà. Oh non, c'est la même merde. Merde. C'est bon? Je vais tirer combien de balles? J'en ai plus. Changer d'arme. Ta gueule. À un moment donné. Allez, fous une balade dans la gueule. Voilà. On va en profiter. On va en profiter, j'allais dire, pour l'esquiver. Putain de merde! Pas l'esquiver, hein. Oh, putain, j'ai plus de munitions. Et que comment qu'on fait quand on a plus de munitions? Et là, ça sent la merde. Sérieux? Je suis là, tu viens? Non, 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 casse-toi. Ouais, c'est bon. Oh putain de merde. Putain, donnez-moi des munitions, donnez-moi des munitions. Non, allez, sérieux, c'est abusé là. Ah oh, putain. Oh le coup de stress. Ok. Donc là on est où? C'est quoi ça?
Munitions pour Magnum. Putain, je suis passé à côté, je les ai pas revus. Ok, bon bah c'est pas grave, hein. Pour 3 balles, on va pouvoir tenter notre vie, hein. Oh non! Putain, puis j'ai pas de couteau. Du coup, il est pas marqué sur la carte. Ah non, c'est pas marqué cette bête-là. Bon, bah on essaiera de s'en rappeler, de s'en souvenir. Juste après la putain de fosse, une petite. Un petit raccoon à zinguer, à dézinguer. J'allais dire, je veux des munitions. Ok. Qui va s'ouvrir. Oh putain! Il y a un truc là-bas. Ah, c'est quoi? Bon, attends, je suis où là? Est-ce que la lampe torche tourne en rond? Oh putain, il faut une pièce. Et ça, c'est quoi? C'est la reine ou c'est le roi? Non, c'est le roi. King. Ah, il y a un truc là, merde, j'ai pas vu. Donc ça, c'est la reine. Ah merde, je m'enferme. Ok. Ok. Et là, on ouvre quoi là? Là, c'est encore le roi. Le blanc, yes. Mec, fais pas chier, j'ai pas de munitions. Non, c'est pas celle-là. Ok. Putain. C'est bon ça? C'est quoi cette bête là? Lance-flamme chimique. Ok. Par contre, il me prend deux emplacements. Bon, attends. On va faire un peu de place. Je peux pas déplacer des objets? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Putain, ça change rien, quel con. Attends, non. Si je fais comme ça. Ah oui, putain, ça fait tout seul en fait, quel con. N'importe quoi. Bon, bah, je saurai, ok. L'autre pignouf là. Donc, on va prendre l'arme. Ok. Le jeton, on en est où? Là, il nous faut le roi, mais je l'ai pas. La porte maintenant elle est ouverte. Donc le jeton du roi, on prend.
T'es où, mec? Bon, t'es là. Non, 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 c'est pas le con. Alors. Putain, mais fais pas le con, sérieux! J'aurais pas tout niqué mon lance-flamme sur toi, que c'est tout. Non, je vais pas la prendre maintenant, ça. Voilà, ok. Allez, lâche-moi la grappe, toi, maintenant. Bon. L'arène. Ah oui, hein, il fallait l'emplacement pour ça, en plus. Donc là on est bon. Oh là là, on est bon, alors attends. OK. Alors, faut qu'on arrive à ressortir de là. Attends, comment qu'on va faire? Réfléchissons, réfléchissons. Parce que on va devoir. On est d'accord. Voilà. Quoique je dis voilà, mais est-ce qu'on doit partir par ici, putain? Bon, je suis un peu perdu là, je me mélange les pédales. Là, on est à cet étage-là. Ok. Là, on est ouvert, on a la pièce d'âme. Sans tout ça, c'est tout un cul de sac. Si j'ouvre celle-là. Ben alors. C'est bien la reine. Ça, c'est bien la reine. Ah non, merde, c'est le roi, quel con. J'ai pas fait gaffe. Ok. J'aime bien me prendre la tête pour des conneries. Donc la reine, il faut l'enlever. Il faut la mettre ici. Voilà. Là, ça nous ouvre le bordel. Là. On met celle-ci là. Le truc c'est qu'attends, là ou depuis là, est-ce qu'on va pouvoir s'échapper? Bah non, de toute façon, ça change rien là-haut.
Donc là, ça change à rien. Mais putain, je peux pas partir sans les pièces, quoi. Il me faut les pièces. Là, il faut quoi? Le roi. Ah, ça y est. Ça y est. Non, ça y est pas. Parce que si j'enlève le roi... Et putain, ça me prend la tête, ça! Allez, on l'enlève d'ici. On l'a, mais là. Putain, c'est pris. Voilà. Là. Ah bah non, mais si je fais ça. Là au-dessus. Là au-dessus, je peux plus la mettre, c'est mort là-haut. Attends, je vais m'en assurer. Hein. Et je suis désolé les gars de me prendre la tête avec ça là, mais. Oulululu. Donc faut bien qu'on reparte par là-bas. Putain, faut repasser dans le bordel. Alors quel est l'intérêt? J'ai pas capté là. J'ai pas capté. Bon, ce qu'on va faire les gens, hein, on va pas se prendre la tête là maintenant avec ça. On va arrêter déjà cette vidéo. Et puis on va prendre ça à tête reposée plus tard. Alors je vais regarder hein, de mon côté et puis... Et puis je vous expliquerai après. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un commentaire, un pouce bleu et à partager à max. Et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Allez, ciao bye bye, c'était Segalix.